anglais. Non, le MD, on est plus près des livres. Master à finalité histoire et culture d'Europe. Et des étudiants très très intéressants, moins dans la recherche d'une voie professionnelle et plutôt dans une perspective de découvrir des univers différents. Eliane Bogle-Polsky. Il y a cette dimension sociétale, je trouve, plus impliquée. Puis un militantisme un peu d'extrême gauche qui peut être un peu original dans les parcours européistes. Mais vraiment très extrême gauche et qu'on a un petit peu passé sous silence. Agir. Évidemment, il faut toute action nécessite d'abord une réflexion. Richard Sennett, la main pense, et que souvent on estime que l'action, le mouvement est dénué de pensée, alors que souvent, en fait, la main pense. D'ailleurs, il a écrit un livre, Ce que pense la main, je trouve ça très très beau. Élection en présentiel. On va dire que, on va être un peu old school, mais de dire que il y a toute une série d'actes qui restent symboliquement forts et que participer à une élection, c'est, comme dirait notre présidente, c'est quelque chose qui fait sens. Café. Le thé, c'est bien, mais le café, ça réveille. Ni l'une ni l'autre. Peut-être le meilleur, s'il y a un meilleur. L'axe vers lequel on ne veut pas se diriger, c'est plutôt quelque chose d'hybride. Alors là, chance. On parle au destin. Je prends plus tellement la chance. Mais la chance arrive. On dit que le destin, je n'y crois pas du tout. Oh, ça c'est dégueulasse. On va dire De Gaulle, parce qu'au moins il y avait une pensée politique articulée derrière. C'est facile de trouver des bonnes bières, c'est pas toujours facile de trouver des bonnes frites. Alors je vais dire bière. En avance. Je supporte pas être en retard. Et pourtant j'étais en retard aujourd'hui. Courir. Je suis impressé de la vie. La tête dans les nuages, mais je ne le suis pas assez. Avoir 40 ans. L'automne, parce que ça me donne envie d'être au printemps.